Bon, allez-y. Du coup, Gerudo qui va nous sortir Meta Knight maintenant. Évidemment, Inert, il va. Inert qui n'a pas joué Terry quand même. Il a dit ouais, vous allez voir, j'ai le main et tout. Balek. Balek total. Meta Knight, je saurais pas dire. En vrai, je sais pas si c'est un bon perso contre Snake. Bon, là pour le moment, il est quand même en train de me donner tort, donc je dis pas, hein, mais. Alors, on est quand même sur le meilleur joueur actuel à Montpellier. Ah, ce ladder. Vous le savez, l'ignorez-vous, mais Snake a des ladders combo apparemment. Ah, attention, faut pas se tuer avec ces grenades là, c'est pas le moment. Oh! Et le... Ah bah oui, il est mort à 80%, écoutez, c'est... C'est un perso absurde que voulez-vous que je vous dise. Ah voilà, là le down B. Ouais, non, ça tue pas le safer. Petit back throw. Qu'est-ce qui va se passer? Rien du tout. Rien du tout, évidemment, il se passe rien du tout. Ça revient safe. Up tilt. Attention, faut pas le stay cet up tilt. Faut en profiter, c'est ton arme la plus puissante là. Tu peux te tuer très vite avec cet up tilt. Genre. Attention. Ah, dommage. Voilà, il l'a trouvé. Allez, bon petit avantage pour Inert. Une stock à 80% à peu près. Ah, là c'était le... C'était le... C4, je crois. Ah, il aurait pu tenter un petit foot tool, mais... Ah voilà, là par contre, ça a tapé le shield. Et voilà, là par contre, il a roulé dans le F-Smash. Très lent le F-Smash, mais très 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 efficace. Inert qui domine quand même pas mal cette partie, faut le dire. Mais oh non, quelle erreur. 1-0 pour Inert. Et du coup, ça part sur ben, le même. Il peut choisir la musique. Mais oui, il peut choisir. Soy sauce for geese. Ouais, non, mais ouais. Et Gerudo qui va sortir Corinne. Et... Autant je trouvais que Meta Knight était un mauvais match-up pour Snake, autant Corinne, je sais pas du tout. Alors, effectivement, Geese Award qui est sur le stage, car il y a sa musique. Ouais, là, je saurais pas vous dire qui a l'avantage sur un tel match-up. Quoi ? Il avait, je crois qu'il avait le C4 sur lui, je vois pas d'autres... Ah voilà, là il y a encore le C4, il y a encore le C4. Ah par contre fais gaffe, là c'est Snake qui l'a. Faut garder les traces de qui a le C4 sur lui. Voilà. Ah c'est Snake. Faut le refiler. Bon ça, je m'attendais pas du tout à ce kill surprise. C'était vraiment très bien trouvé. Attention, voilà, ça, la paralysie. Inert qui nous fait quand même une très belle game. 90%, c'est énorme. C'est pas irrattrapable. Mais c'est contre Gerudo, c'est vraiment une très belle perf. Ah voilà, là par contre, ça conteste le Projo, mais le Dragon Fang en lui-même, il est passé. Attention. Tilt, non. Non. Ah.
il remonte quand même plutôt bien. Il se laisse pas avoir, Gerudo. Attention. Bien regarder le C4, faut pas se laisser avoir. Voilà, le side B qui revient. Il revient safe. Et il va le chercher. Il va le chercher et Gerudo récupère l'avantage. Ah là, ça conteste avec le. Je crois qu'il y avait un. Oui, le up tilt, de toute façon, pour partir si vite. Oh, bien. Allez, attention, faut. Est-ce que Inert va faire le miracle? Allez, là déjà, il a l'air bien parti. Ah, il le kiffe, son Dantir, son Donner. Ah, attention, voilà. Bien. Attention. Le up tilt. Ça suffira pas. Le prochain est tu. Et il veut le mettre. Dash attack. Attention, faut pas se laisser avoir par ce. Il se le mange souvent. Ah, le upper. Le up smash tipper. Il se le mange souvent quand même, ce projo. Et le up tilt. Inert qui gagne la winner finale. Et qui est giga chaud. Bon ben ça c'est fait. Et du coup, ben, qui on va avoir sur le stream? Ben là de toute façon il reste plus que le. Ouais voilà. Qui va-t-on avoir sur le stream? Ben écoutez, je ne sais pas du tout. Mais Inert qui nous a fait.